Comment synthétiser des données grâce au tableau croisé dynamique? Comment construire un tableau croisé dynamique sur Google Sheets? Hello, bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous avons un tableau de données brutes, grâce auquel nous allons construire notre tableau croisé dynamique. Le TCD va nous permettre d'afficher les données dans un format différent, d'effectuer des regroupements et de simplifier l'analyse des données. Avant de créer notre tableau, nous allons réfléchir aux données que nous souhaitons analyser, pour ensuite pouvoir créer notre tableau croisé dynamique. Nous allons tout d'abord construire un tableau croisé dynamique à une entrée. L'objectif de ce tableau sera de regrouper les mois par nombre de jours et d'identifier le nombre de mois contenant 28, 30 ou 31 jours. Nous commençons par sélectionner l'ensemble de notre tableau d'origine, puis nous nous rendons dans le menu Données et cliquons sur Tableau croisé dynamique. Nous pouvons créer le TCD dans une nouvelle feuille. Pour cet exemple, nous allons placer le tableau croisé dynamique à droite de nos données d'origine. Nous choisissons la cellule de destination. Veillez bien à choisir un emplacement qui n'empiète pas sur d'autres données. Puis, nous cliquons sur Créer. L'éditeur de tableau croisé dynamique s'ouvre à droite de notre fenêtre. Nous pouvons maintenant choisir les données à analyser. Pour nos lignes, nous souhaitons la durée en jours. Nous pouvons soit cliquer sur « Ajouter » et choisir « Durée », soit effectuer un glissé-déposé à partir de la liste de champs à droite. Nous allons ici analyser les mois. Nous les ajoutons donc à la zone « Valeur ». Nous obtenons une synthèse du nombre de mois contenant 28, 30 ou 31 jours avec une ligne totale générale. Nous poursuivons notre exemple précédent. Nous souhaitons ajouter en colonne le premier jour du mois. Nous ajoutons donc le champ premier jour dans la zone colonne. Comme vous avez pu le constater, l'entête des colonnes s'affiche dans la première ligne et l'entête des lignes dans la première colonne. Nos éléments sont interchangeables. Nous pouvons choisir d'afficher la durée en colonne et les premiers jours en ligne. Pour cette modification, nous pouvons effectuer un drag and drop. Nous pouvons aussi choisir de remplacer le champ « Premier jour » en ligne par le champ « Mois ». Le champ « Mois » sera donc présent en ligne et en valeur, et le total de chaque ligne sera égal à 1. Les totaux peuvent être masqués. Nous allons reprendre notre tableau croisé dynamique de départ. Nous pouvons insérer plusieurs champs dans une même zone. Ici, nous allons analyser par nombre de jours, puis par premier jour. Nous ajoutons le champ premier jour à la suite du champ durée dans la zone ligne. Nous aurions pu faire de même en zone colonne et avoir une combinaison de champs dans chaque zone. Au niveau de l'affichage, nous avons la possibilité d'afficher ou masquer les totaux et sous-totaux et de répéter les libellés de ligne. L'ordre de nos données peut être modifié comme ceci. Si nous positionnons un champ sur un autre champ présent, l'ancien champ prend une couleur verte, puis est remplacé par le nouvel élément. Depuis le début de cette vidéo, nous utilisons des champs texte dans la zone valeur. Si nous plaçons un champ numérique en valeur, nous pouvons effectuer des calculs sur ces données. Nous allons recréer un nouveau tableau croisé dynamique avec cette colonne supplémentaire. Nous nous rendons dans Données, cliquons sur Tableau croisé dynamique. Dans la fenêtre, nous choisissons la plage de données et la cellule de début de TCD. Puis, nous cliquons sur Créer. Nous allons choisir le champ Premier jour en ligne et le champ Quantité en valeur. Par défaut, le tableur effectue une somme lorsqu'il reconnaît le format numérique. Nous pouvons déterminer le nombre de valeurs comme précédemment ou déterminer le nombre de valeurs uniques. Rechercher la valeur max, la valeur moyenne ou un pourcentage.
Nous pouvons également appliquer un filtre sur les données à afficher. Si par exemple, nous souhaitons afficher uniquement les données des mois d'une durée de 30 jours, nous ajoutons le champ Durée à la zone Filtre. Nous pouvons ensuite filtrer uniquement les valeurs que nous souhaitons afficher. Cette vidéo est maintenant terminée. Je t'encourage à présent à pratiquer et à tester ces fonctionnalités. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager, et je te dis à très bientôt !